Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Hector, j'ai eu ton message. Marc est en train de prendre soin de ta mère. À première vue, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il faut attendre les résultats des examens pour en savoir plus. Elle est en de bonnes mains, tu n'as rien à craindre. Et je peux la voir ? Non, pas pour l'instant, mais Marc nous préviendra. Je vous laisse. Je vais attendre Maribel. Je l'ai prévenue, elle va venir. Hector, encore une fois, merci pour tout. Je t'en prie. Ruby, si en tant que médecin tu as besoin de mon aide, tu peux compter sur moi. Je n'ai pas besoin de toi, Alexandre. Tu as préféré demander à Hector plutôt qu'à moi. Tu croyais que j'allais t'abandonner dans cette situation? Puisque tu veux des explications, je t'ai appelé en tant que médecin. Mais je n'ai pas réussi à te joindre, alors Hector s'est proposé de m'aider. D'accord, excuse-moi. Je te le redis, tu pourras toujours compter sur moi. Si seulement tu pouvais essayer... Pourquoi tu insistes tant? En ce moment, la seule chose qui m'intéresse, c'est ma mère. Christina? J'ai examiné votre mère. Oh, je suis rassurée de vous savoir ici auprès d'elle. Comment va-t-elle, docteur? Ça va mieux, la crise est passée. On est en train de lui faire une tomographie. Je suis gênée de ne pas pouvoir vous payer tout de suite. J'ai à peine commencé à payer les consultations et je vais encore vous devoir ça en plus. Allez, ne vous en faites pas pour ça, je suis son médecin. Je ne vais pas vous faire payer. Tout ça n'a rien à voir avec Alexandre ou Ruby. Ça restera entre nous, ça ne regarde personne. Non, ce n'est pas normal. Soigner les gens, c'est un travail qu'il faut rémunérer. Très bien. Vous ne me paierez pas avec de l'argent. Vous allez me faire une faveur. Ah, quelle faveur? Vous me parlerez de vous. D'accord? Super. Oh, si tu savais, j'étais tellement angoissée pour ta maman que j'ai préféré venir ici. J'ai apporté des ponchos pour la nuit. J'imagine qu'on va dormir ici. Tu as prévu de passer la nuit là, non? C'est rassurant de savoir que ta mère n'a rien de grave. Oui, ça me soulage, j'ai eu si peur. Et surtout, n'hésite pas à me demander si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si c'est de l'argent qu'il faut... Je me suis chargé de ça, c'est fait. Il s'agit de ta meilleure amie, il fallait bien que je l'aide. Maribel, je suis très reconnaissante envers Hector, mais je ne veux pas abuser. Je n'ai pas envie de profiter de votre liaison, ni de notre amitié. J'ignore comment, mais je te rembourserai. Peu importe. L'essentiel, c'est que ta maman aille bien. Je te remercie. Ruby, tu pourras toujours compter sur nous, et pas uniquement pour les coups durs, mais pour tout ce qui sera nécessaire pour que ta maman bénéficie de soins à sa sortie de l'hôpital. Nous allons vous transporter dans votre chambre à présent. Ça va aller. Merci. On va s'occuper de vous. Je dois y aller. Excusez-moi.
Comment vous sentez-vous? Alexandre, c'est bien qu'on soit seul pour parler. Ruby m'a dit pourquoi vous n'étiez plus ensemble. Je n'ai pas accepté cette séparation de gaieté de cœur. Ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais pourquoi lui avoir fait croire que vous aviez beaucoup d'argent? Pourquoi lui avoir menti? Pourquoi? Sam! Pourquoi on ne va pas chez moi regarder la fin du film? On sera plus à l'aise. Non. Mais arrête un peu. Qu'est-ce que t'es pénible avec tes mains baladeuses? On sort ensemble, non? Pourquoi ça te choque? On en est à peine au début de notre relation. Il faut qu'on se connaisse un peu mieux, qu'on se parle, qu'on parle de nous et de ce qu'on attend l'un de l'autre. Oh non, pas maintenant. Tu ne crois pas qu'on a mieux à faire que de parler, toi et moi? Non. D'accord. Alors de quoi on parle? De ton ami Francisco qui va laisser tomber sa teinturerie pour un bureau grâce à ton père? Mais c'est bien, tu devrais être content pour lui. C'est un garçon plein d'ambition, c'est génial. Il est responsable. J'aime pas quand tu parles de lui comme ça. On dirait que t'es jaloux. Oh, j'ai trop envie de toi. Non, j'ai dit non, t'es sourd? Je suis sincère, je vous le jure. Je n'ai pas menti à votre fille, c'est un malentendu. Je ne suis pas du genre à me faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais il faut vous ménager. On en reparlera plus tard, quand vous aurez complètement récupéré. Oh non! Je peux pas. Ça me rend malade de savoir que ma fille... Que votre fille veut épouser un milliardaire. Si vous saviez comme je déplore de ne pas avoir d'argent. De toute façon, quoi qu'on fasse, Ruby ne changera jamais. C'est ce qui me fait souffrir. Non, 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 il ne faut pas vous angoisser. Un jour, elle changera, peut-être. Hein? C'est un de mes souhaits les plus chers. Ma fille est encore si jeune. Elle a toute la vie devant elle. Mais si jamais elle ne se rend pas compte qu'elle fait fausse route, elle deviendra vite aigrie. Elle souffrira. Oui, comme vous le dites, Ruby est encore jeune. Et même si c'est souvent douloureux d'accepter les leçons que la vie vous donne, ça fait avancer. Elle n'en est pas consciente. Mais moi, je sais que Ruby vous aime. S'il y a une chose qui pourrait la faire changer, c'est l'amour. Mon Dieu, aidez-la. Votre maman va passer la nuit ici. C'est le plus commode. Mais on peut rester avec elle? Oui, quelqu'un peut rester. Mais n'oubliez pas, elle doit rester sereine et tranquille. C'est le plus important. Ouais. Maman, j'ai eu tellement peur pour ta santé. Grâce à Dieu, on est rassurés maintenant. Le pire est derrière nous. Oui, ma chérie. Oui, vous avez raison. L'heure n'est pas encore venue de vous laisser toutes les deux seules. Ne parle pas de ça. Jamais tu nous laisseras. Ne t'en fais pas, on sera toujours là pour prendre soin de toi. Et tu vas vite récupérer. Maman, tu te fais trop de soucis pour nous. Qu'est-ce qui a provoqué ce malaise? Arrête, ne la tourmente pas. Elle a besoin de repos. Christina... C'est ta sœur qui va rester. Tu peux rentrer tranquille, je vais bien. Comme tu voudras, maman, je vais rentrer. Je passerai te voir juste avant d'aller au bureau. Maman, tu es ce qu'il y a de plus important au monde pour moi. Je l'accompagne jusqu'à la sortie pour lui dire quel vêtement il doit m'apporter. Je reviens tout de suite. Ce qui m'angoisse, c'est qu'ils sont obligés de la garder encore quelques jours. Ça risque d'être difficile. Il vaudrait mieux la mettre dans un hôpital public. Non, pas question. C'est pas le moment de jouer les orgueilleuses parce qu'on n'a pas les moyens de payer. Hector tient à nous rendre service. Il a dit qu'il se chargerait de tout. Mais c'est le fiancé de Maribel. Hein?
Alors ce jeune homme est le fiancé de cette vénarde de Maribel? Christina, va dormir maintenant, comme ça demain tu pourras revenir plus tôt. Ça tombe bien, tu vas pouvoir rentrer avec Dolores. Ruby? Salut. Comment va ta maman? Tu crois que je peux aller lui dire bonjour? Elle a dû s'endormir, je vais rester avec elle. Ma sœur s'en va. Mais Gaetano va la raccompagner avec ta voisine et Hector me déposera chez moi. Non, c'est pas la peine, merci, c'est gentil. Mais écoute, ça ne se fait pas de refuser une offre aussi généreuse de la part d'une amie. Accepte-la. Surtout n'hésitez pas à rentrer avec mon chauffeur. Maribel, merci à toi et ton fiancé pour ce que vous faites pour nous. Ça y est, j'ai trouvé un appartement. Je l'ai visité aujourd'hui, il est pas mal, c'est tout à fait ce que je cherchais. Je vais donc déménager bientôt. Ça n'est pas la peine, voyons, c'est idiot. Je vais m'en aller, pourquoi tu ne restes pas à la maison? Écoute, on a déjà eu cette discussion, je ne veux pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'il vaut mieux apprendre à vivre selon ses moyens. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pour que les choses soient claires. À quoi bon rester sur un malentendu? Très bien. Chérie, tu me ramènes à la maison parce que j'ai demandé au chauffeur de raccompagner la sœur de Ruby chez elle. Tu sais bien que c'est d'accord. Pourquoi me poser la question? Ruby a vu sa maman. Ça l'a un peu rassurée. Tant mieux. Elle était sur les nerfs. Mais elle m'a même pris pour toi quand elle m'a appelée à la maison. Ah. Et j'étais vexée. Je lui en ai même un peu voulu de t'avoir prévenue et pas moi. Je n'ai pas réussi à joindre Alexandre et j'ai promis à Ruby de l'aider. Je t'en suis très reconnaissant et pour m'avoir fait passer le message aussi. Mon ami a besoin de toi à ses côtés. Non seulement tu peux la soutenir et lui remonter le moral, mais tu es médecin, ce qui est encore mieux. Je te demande pardon, maman. Je te jure que je ne voulais pas te faire du mal. J'ai dit des bêtises. Je ne pensais pas à tout ce que je t'ai dit. Je sais que tu as été déçue quand tu t'es rendu compte que ton Alexandre n'avait pas d'argent. Mais je suis sûre que tu étais très consciente des mots que tu employais. Surtout lorsque tu parlais de Maribel. C'était pas la première fois que tu en parlais comme ça. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je reconnais que je l'envie. J'ai essayé de changer, mais j'y suis pas arrivée, c'est trop dur. Chérie, c'est vrai que tu as envie de changer. Je sais bien que tu n'as pas confiance en moi. Tout est ma faute et je m'en veux. Ça fait mal. Ruby, est-ce que par hasard tu aurais des regrets? Peut-être même des remords? Oui, j'ai des remords et c'est encore de ma faute si tu en es là. Si je t'avais perdue, je ne me le serais jamais pardonné. Je t'aime tant, maman. Si tu me soutiens, je peux changer. Il faut que tu m'aides. Une maman ne peut pas ne pas faire confiance à ses enfants. Je te jure que jusqu'au jour de ma mort, je continuerai à garder l'espoir qu'un jour, toi, ma fille, que j'aime plus que tout, tu changeras parce que cette ambition, cette envie, cette jalousie que tu ressens t'empêcheront d'avoir une vie heureuse, même si tu as beaucoup d'argent. Je promets de tout faire pour changer, maman. Je ne veux pas que tu t'inquiètes, ne pense plus à tout ça. C'est mauvais pour ta santé. Ruby, tu réussiras. Je te fais confiance, chérie. On est navré de vous avoir fait travailler aussi tard, Gaetano. Ça ne m'a pas dérangé, c'était un plaisir. Il est bien sympathique, ce jeune homme, et il n'est pas laid en plus. Taisez-vous, Dolores. Bonsoir, à demain, bonne nuit. Je vais emporter ça, si vous le permettez. Oui, bien sûr, je vous en prie. Et merci encore, Gaetano. Bonne soirée. Bon, eh bien, merci encore. À votre service, et n'oubliez pas ce que je dis surtout. Bon, merci et bonsoir. Oui, bonsoir. Ruby, il faut qu'on parle tous les deux. Non, c'est inutile, je n'ai rien à te dire. Et moi si. Lâche-moi, je t'interdis de me toucher. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans la soirée. Et de découvrir que tu m'avais leurré, tu crois que ça m'a plu? Tu te fiches de moi, qui a leurré l'autre? Avalé Del Bravo, je t'ai demandé si tu m'aimerais même si je n'avais pas d'argent et tu ne m'as pas laissé finir. Tu m'as dit que tu en savais assez sur moi pour
une opinion. Tu as été jusqu'à me donner ta petite pièce comme porte-bonheur. Garde-la, c'est la seule chose. Pas de moi. Non. Non. Je vais un petit peu de temps pour pouvoir réfléchir. Ah oui. Et pourquoi est-ce que je devrais réfléchir? Parce que tu m'aimes. Mais tu ne veux pas comprendre. J'étais amoureuse de toi parce que je te prenais pour un autre. Mais tu n'es pas celui que j'imaginais. Tu m'as déçu, alors n'espère plus jamais rien de moi. Je n'en crois pas un mot. Tu avec aucun homme, tu avais ressenti quelque chose si fort. Et je t'ai cru. Non pas parce que tu l'as dit, mais parce que je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti dans tes baisers. Et dans tes caresses. Tu étais... Ruby. Et qui te dit que je n'ai pas fait semblant, hein? Ah ouais? On va voir. Ruby, réfléchis avant de prendre une décision. Réfléchis, d'accord? On peut rattraper les choses, ce n'est pas trop tard. Je te hais, tu entends? Je t'aime, Alexandre. Tu vas me faire le plaisir de me dire combien je te dois pour ce que tu as dépensé pour la mère de Ruby. Ça suffit, arrête de dire des bêtises. Si tu as payé, c'est parce qu'elle a appelé ici pensant me demander de l'aide à moi, pas à toi. Tu sais que j'ai les moyens, accepte-le comme un cadeau. Je l'ai fait avec plaisir, sans que ça me coûte. Mets-toi bien ça dans la tête. Oui, je sais, mais c'est pas pour toi, c'est pour moi. Peu importe ce qui va se passer avec Ruby, je veux assumer ses dépenses. Tu n'as qu'à lui dire que tu m'as remboursé sans pour autant me payer. Je te paierai, j'ai un bon travail maintenant. En plus, le docteur Bermudez veut me garder comme assistant. C'est un bon début, non? Bon, d'accord. Je te félicite, je suis vraiment content que tu gagnes bien. Pas seulement pour l'argent, mais parce que tu viens à peine d'arriver et tu as déjà une bonne situation. Ah, Hector... Si tout le monde avait ton attitude. Je n'en doute pas une seconde. Espérons que cet amour sera assez fort pour vaincre ses hésitations. Oui, je crois que oui. On a parlé un peu hier soir, elle a envie de changer, on a toutes les raisons d'espérer. Comment vous sentez-vous? Je suis rassurée. Rassurée de savoir ce que vous pouvez représenter pour elle. Vous avez pris le petit déjeuner? Qu'est-ce que tu fais là, Alexandre? Eh bien, je fais mon travail. Est-ce que tu as bien dormi? Très bien, merci. Il se passe quelque chose? Non, non, non. Je suis passé dire bonjour à ta maman. Marc vient tout à l'heure. Je repasserai. Alexandre, merci pour tout. Oh, chérie... Alexandre t'adore, c'est évident. Ruby, ne gâche pas le meilleur pour un amour moins sûr. Ce jeune homme-là vaut de l'or. Tu veux faire les visites à ma place? Non, non, ça c'est ton travail. Je suis seulement passé dire bonjour à Raphaël. Tout ça pour que Ruby te retombe dans les bras? Non, tu te trompes, pas du tout. Si je m'intéresse à sa mère, ça n'a rien à voir avec Ruby. Cela dit, je n'ai pas perdu l'espoir qu'elle finisse par se rendre compte qu'en restant avec moi, elle aura une vie heureuse. Tu ne t'avoues pas vaincu? Je te l'ai déjà dit, je suis amoureux. Je suis sûr qu'elle est faite pour moi. C'est bien, le comptable m'a donné la journée, en me demandant de vérifier quelques documents. Mais je peux très bien le faire ici. Ah, oh, c'est tant mieux. Comme ça, ta sœur ne va pas rater ses cours. Vas-y, dépêche-toi. Il y a des vêtements de rechange dans le sac que je t'ai apporté. Entrez. Bonjour. Madame, mademoiselle de la Fuente vous envoie ses fleurs. Oh, c'est gentil. Oh, comme cette jeune fille t'aime beaucoup.
Oui, c'est vrai. Elle voulait même te rendre visite hier, mais elle n'a pas osé venir. Elles sont magnifiques, j'adore ces fleurs. Oh, vous les aimez. Je vais vous faire une confidence, c'est moi qui les ai choisies. Oh, ce sont mes fleurs préférées. C'est vrai. Gaetano, Maribel vous envoie pour autre chose ? Non, mademoiselle. Alors veuillez m'attendre dans le couloir, vous allez m'emmener à l'université. Bien, mademoiselle. Bonne journée. Chère madame, je vous souhaite un prompt rétablissement. Allez attendre dehors. Merci, monsieur. Je vous en prie. Très bien, je vous attends. Mais il se prend pour qui, lui ? Moi, je l'aime bien comme il est. Ça va pas ? Ce que j'ai vu hier soir m'a inquiété. Je ne voulais pas te le dire avant d'avoir le rapport du radiologue. Ah bon, qu'est-ce qu'il dit ? C'est ce que je craignais. On va devoir faire une analyse complémentaire à Madame Pérez. Son état est extrêmement délicat d'après la tomographie.